Vous êtes en train de dire, Pascal, pardon, quand on récidive, on va en prison pour la vie. C'est ça votre idée? Mais pas la deuxième fois et ni la troisième fois non plus. Non, mais Laurent, oui. Ben non. Mais c'est ce qu'on appelle tolérance zéro. Ça ne se fera pas. Mais vous avez raison. Geoffroy Lejeune et après la pause. Mais non, mais ça ne se fera pas parce que c'est contraire à tous les principes du droit. Tous les principes du droit. Bien sûr, c'est contraire. Mais non, mais non. Ça veut dire que c'est contraire à tous les principes du droit. Tous vos principes du droit. Vous voulez changer les principes du droit. Oui. Oui. Et gauchiste, je ne me permets pas de dire ça. Ah si, mais vous êtes un fasciste dans ce cas-là. Je ne pas gauchiste, je dirais angélique. Je suis quoi? Angélique. Si je suis gauchiste, vous êtes fasciste. Non, bah, c'est la même exagération. Fasciste. Je suis fasciste. Non, moi, je voudrais... Si je suis gauchiste, vous êtes fasciste. Non, 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 Laurent. Non. Attends, mais si. Non, alors, je vais pas me laisser insulter comme ça. Non, mais soyons. Attendez, s'il vous plaît. Attendez juste une seconde. Je dis gauchiste. Vous dites fasciste, oui, et c'est vous, et c'est moi, c'est moi qui vous insulte. Pourquoi pas? Vous êtes sérieux? Mais c'est vous qui avez mis ça sur la table, que je viens de voir. On est en train de parler. Non, ah, non, vous n'avez qu'à pas le faire. Pascal, en fait, on est. Non, vous n'avez qu'à vous comporter en personne fasciste au lieu de cataloguer. Vous êtes très sérieux? Non, mais attendez. J'ai l'air de rigoler. On est en train de parler du fait de punir des gens qui sont des multi-récidivistes. Je ne parle pas de ça, je parle des adjectifs. Allez, que vous utilisez. On va retirer. Laurent, ce que je vous propose. Déplaisant au possible. Laurent, ce que je vous propose. C'est sérieux ou pas? Oui, je suis sérieux. Ça, Laurent, c'est s'il vous plaît. Pascal, suffit maintenant. C'est pas terminé. Attendez. Laurent, ce que je vous propose. Moi, je suis insultant aux gens gauchistes. Oui. Moi, je suis. Mais vous savez très bien que ça ne correspond pas du tout à ce que je suis. Bon, on va régler ça. Laurent, ce que je vous propose, c'est que gauchiste, on peut traiter. Casser sans du gauchiste. Bien sûr que oui. Mais c'est grotesque. Vous trouvez ça horrible de punir quelqu'un qui serait un multirécidiviste? Vous êtes grotesque. Vous êtes grotesque dans votre forme. Laurent, est-ce que je peux reprendre un peu la parole, s'il vous plaît? Laurent, l'arbitre neutre que je suis, ce n'est pas la même chose de dire que vous êtes gauchiste, qui n'est pas une insulte, alors que c'est infamant de traiter quelqu'un de fasciste. Alors, ce que je vous propose, c'est de retirer le mot fasciste. Si monsieur retire gauchiste, je... Mais non, mais gauchiste, vous avez... Gauchiste, c'est pas infamant. Mais c'est pas infamant d'être gauchiste. Ce que je veux dire, c'est pas infamant. C'est une manière de disqualifier. Non, mais non, c'est pas infamant. Si on retire gauchiste, je veux bien retirer fasciste. Non, je retire pas. En fait, Laurent, je vais dire un truc, c'est que en fait, quand on vous traite de gauchiste, ça vous condamne à aucune mort sociale. Par contre, quand on vous traite de fasciste, ça vous condamne à la mort sociale. Je doute que vous soyez. Donc, quand vous dites par un mot fasciste à mon sujet, alors que vous me connaissez pas, le connaissez en plus, vous en pensez pas, vous pensez pas que monsieur est fasciste. C'est une réponse à une attaque que je dirais comme. Donc c'est intéressant. C'est une réponse à une attaque, mais vous le pensez ou pas? Au fond, est-ce que je suis fasciste? Non, c'est exagéré. Voilà, donc c'est faux. Donc du coup, regardez-le dans l'autre aussi est exagéré.